Ok, on va donc pouvoir commencer ce cours. On va commencer directement en position du héros à l'arrière du tapis. Donc on va venir déposer les fessiers sur les talons. Si jamais c'est une posture qui n'est pas forcément agréable, vous pouvez tout à fait mettre une petite brique entre les fessiers et les talons. C'est tout à fait quelque chose qui est possible. Et on va simplement commencer par fermer les yeux, déposer les mains sur les cuisses. Allonger le dos, relâcher les épaules. Étant donné que vous avez l'habitude, si vous êtes ici, d'avoir une certaine pratique de yoga, je vais aujourd'hui vous proposer de vous challenger un petit peu. Donc, je ne vais pas forcément donner énormément d'indications, car vous connaissez votre corps, vous savez comment vous pouvez adapter à force de pratiquer. On va plutôt se focaliser sur les sensations, être dans sa pratique, voir ce qu'on peut faire. À n'importe quel moment aujourd'hui, vous serez totalement libre de poser les genoux au sol, de venir en posture de l'enfant, de faire des répétitions en moins si jamais je vous fais faire plusieurs répétitions de postures qui peuvent être un petit peu difficiles. L'important, ça va être vraiment de s'écouter et d'adapter. C'est ça la pratique du yoga, faire pour soi, pas pour les autres. Ramenez les mains en namasté, placez une intention pour le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes sur le tapis de yoga? Ça peut être prendre du temps pour vous, ça peut être améliorer votre condition physique, booster votre confiance en vous, peu importe. Et une fois que vous avez trouvé votre intention, qu'on appelle Sankalpa au yoga, répétez-vous mentalement 3 fois cette intention. Puis si vous le souhaitez, rejoignez-moi pour un Om, inspiré par le nez. Et réouvrez les yeux. On va entamer cette pratique avec un pranayama, pardon, Kapalabhati. Donc Kapalabhati, ça consiste à faire une expiration dynamique. On ne va pas se concentrer sur l'inspire, mais que sur l'expire. À chaque expiration, on va rentrer le ventre, contracter un petit peu les abdos. Donc en fait, l'idée, c'est qu'à chaque expiration, on rentre de manière dynamique le ventre. Ce qu'on va faire, c'est que pendant une trentaine de secondes, on va faire l'exercice. Okay? Chacun à son rythme. Vous pouvez aller beaucoup plus rapidement que moi, beaucoup plus lentement. Mais par contre, il faut de la puissance dans l'expiration. Si on ne met pas de puissance, c'est pas bon. Le but, c'est de mettre de la puissance et ensuite peut-être mettre de la vitesse. Okay? Évidemment, si ça fait tourner un peu la tête parce qu'on n'a pas l'habitude, bah on relâche tout simplement et on va faire ensemble 2 tours. Okay? Donc, on relâche les mains, on prend une grande inspiration et c'est parti, 30 secondes d'expiration dynamique. Encore 5, 4, 3, 2. Un, puis on prend une grande inspire. On bloque l'air en haut pour 5, 4, 3, 2, 1. On expire lentement. On expire tout l'air. Et à la fin de l'expiration, on bloque l'air poumon vide pour 5, 4, 3, 2, 1. Un deuxième tour. On prend une grande inspire. C'est parti. Encore 5, 4, 3, 2, 1, puis on prend une grande inspire, on bloque, 5, 4, 3, 2, 1, on expire, on bloque, 5, 4,
3, 2, 1 et on reprend une respiration naturelle. On vient réouvrir les yeux. Ok, on a déjà passé un certain temps dans cette position du héros. Si jamais ça commence à tirer un petit peu, ça veut simplement dire que vous n'avez pas encore assez travaillé la mobilité au niveau de vos chevilles. C'est pas grave, faut continuer à la travailler, notamment avec le Malasana par exemple, le squat yogique. On va venir un petit peu détendre tout ça. Donc, on peut placer les mains ou alors sans les mains, on va décoller soit un, soit les deux genoux et on va sentir un étirement sur tout l'avant au niveau de la cheville qui remonte jusqu'au tibia. Si on fait un côté, bah évidemment, on alterne un côté puis l'autre. On peut s'aider des mains ou pas. On a encore ici pour 5, 4, 3, 2. 1, déposez les genoux. Inspirez, redressez-vous. Déposez les mains au niveau des hanches. Poussez les hanches vers l'avant. On vient ouvrir, ouvrir, ouvrir au niveau de la poitrine. Engagez les fessiers pour protéger le dos. Expirez lentement. On redescend. Et de nouveau, on décolle les genoux. Pour 4, 3, 2, 1. Déposez les genoux. Inspirez, redressez-vous. Poussez les hanches vers l'avant. Pour 4, 3, 2, 1, on revient vers l'arrière, on décolle les genoux, 4, 3, 2, 1, on dépose une dernière, on se redresse, on pousse vers l'avant, 4, 3, 2, 1, puis crochetez les orteils, déposez les fessiers sur les talons. On est dans ce toe squat, le squat orteil ici, qui permet de détendre un petit peu au niveau des orteils, on va rester juste quelques respirations ici. Si ça tire trop, encore une fois, même signe que pour les chevilles, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de mobilité, de souplesse au niveau des orteils et qu'il faut la travailler. Basculer vers l'avant dans la position de la table, on peut tapoter un petit peu avec les pieds pour tout relâcher. Et on revient vers l'arrière. Déposer la main droite sur le genou gauche, main gauche vient vers l'arrière, on regarde vers la main gauche, on sent l'ouverture au niveau du cœur. Puis un petit peu comme si on allait faire de la natation, on va tourner la paume de main vers le ciel, on va venir faire un cercle, enfin une sorte de mouvement vers l'avant, comme si on faisait du crawl. On arrondit le dos, on attrape la main gauche, enfin le genou droit avec la main gauche, puis on se redresse et on envoie la main droite vers l'arrière, on regarde vers la main droite, on cherche vraiment un étirement au niveau du pec droit. Puis on inspire, on lève la main vers le ciel de nouveau, on vient faire un mouvement de crawl, en quelque sorte, on attrape le genou gauche, on arrondit tout, on inspire, on se redresse avec la main gauche. Alors encore une fois de chaque côté, on vient faire un autre crawl, on attrape le genou opposé, on se redresse, on ouvre, une dernière, genou opposé, on se redresse, on ouvre, et on relâche, super, basculer vers l'avant. On se retrouve dans la posture de la table. On peut crocheter les orteils, basculer vers l'arrière, pardon, pour étirer les orteils, puis vers l'avant pour échauffer les poignets. De nouveau vers l'arrière, on étire les orteils. Vers l'avant, on échauffe les poignets. Vers l'arrière, on étire les orteils. Vers l'avant, on échauffe les poignets. Alors encore quelques fois, on peut commencer à faire des cercles dans un sens et dans l'autre, librement. Ok, d'ici, on place les mains sur le tapis, bien ancré, on recule un petit peu les genoux, on crochète les orteils, on bascule vers l'arrière dans ce qu'on appelle loaded beast dans l'animal flow. Donc on écarte les genoux un peu comme une posture de l'enfant, mais avec les avant-bras qui sont décollés, les genoux qui sont décollés. Puis basculer là vers l'avant dans une planche, réajuste un petit peu la posture, expirez lentement, on revient vers l'arrière, loaded beast. On inspire, boum, vers l'avant dans une planche, on repousse fort le sol, on expire vers l'arrière, une dernière, on inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Puis on redépose les genoux, on revient vers l'avant, super. D'ici, on crochète les deux orteils, inspirez, levez le genou gauche, ouvrez la hanche gauche, tendez la jambe gauche vers la gauche. Avec le pied gauche, on va chercher à venir le plus vers l'avant possible sans toucher le sol. Puis on ramène la jambe vers l'arrière. Et avec le pied gauche, les orteils, on vient toucher le poignet droit. De nouveau, on vient ouvrir la hanche gauche. On allonge la jambe gauche. On vient vers l'avant.
On revient au centre, puis on vient toucher le poignet droit. Une dernière fois, on vient ouvrir la jambe gauche vers l'avant. On revient. On vient toucher le poignet droit et on redépose. Super. Je vais mettre de l'autre côté pour que vous puissiez me voir pour l'approche pour l'autre côté. Mais on va faire exactement la même chose. Donc on inspire, on repousse le sol. On ouvre le genou droit. On tend la jambe droite. On vient vers l'avant. On se redresse. Puis on vient toucher le poignet gauche avec les orteils droits. De nouveau, on ouvre la hanche. Boum, on tend. On vient vers l'avant. On réfléchit. On vient toucher le poignet gauche. Une dernière, on ouvre, on vient vers l'avant, on revient, on vient toucher le poignet gauche et on redépose. Super, on peut ramener un petit peu maintenant de mouvement au niveau des hanches. Sentir ce qui se passe. Ok, puis je vais me remettre de profil pour que vous voyez mieux, enfin de face, pardon. On vient décoller les deux genoux du sol. Basculer sur la droite, déposer le pied gauche au sol, décoller la main gauche et venez faire un kick sur le côté avec le pied droit. On peut pointer ou flexer le pied et le coude gauche vient vers l'arrière comme si on faisait un coup de coude. Puis on revient au centre, on redépose sans déposer les genoux. On bascule de l'autre côté, on est sur le pied droit et la main gauche. On vient faire un kick avec la jambe gauche, le coude droit vers l'arrière. On revient au centre, on dépose. Encore une fois, lentement de chaque côté, on pivote le pied gauche, on tend la jambe droite, coude gauche vers l'arrière. En expirant, on revient au centre. Une dernière de l'autre. Boum. On revient au centre. Et maintenant, on enchaîne un peu plus rapidement, chacun à son rythme. Hop. D'un côté puis de l'autre. On travaille la coordination. On fait monter un petit peu le cardio. Allez, encore trois. 2, 1, et ensuite vous revenez au centre et vous redéposez tout. Super. Tournez les doigts qui pointent maintenant vers les genoux. Basculez vers l'arrière, le plus vers l'arrière possible, pour sentir un étirement au niveau des avant-bras, calmer un petit peu le rythme cardiaque si c'était réveillé. Puis on revient vers l'avant. Table pose, la posture de la table. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche. Et on expire chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, le premier chien tête en bas de la pratique. Moi j'aime beaucoup arriver directement dans une forme de neutralité dans la posture. Mais n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à pédaler un petit peu avec les jambes. D'ici. Vous allez regarder entre les mains. Vous allez reculer les mains pour qu'elles arrivent à peu près à la moitié du tapis. Et avancer les pieds pour qu'ils arrivent derrière les mains. On va descendre les fessiers dans Malasana, le squat yogique. Ok. On va faire un petit enchaînement que je trouve vraiment cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire plusieurs fois de chaque côté. On va le faire lentement au début pour que vous puissiez vraiment voir comment ça fonctionne. Et ensuite, bah, j'irai un peu plus vite. Soit vous me suivez, soit vous allez plus lentement, soit vous pouvez aller plus vite. Il n'y a pas de rythme imposé. L'important, par contre, c'est de ne pas précipiter son souffle, même si on va plus vite dans le mouvement. Et également, ce qui va être important, c'est d'être dans la maîtrise du mouvement. Ça ne sert à rien d'accélérer s'il n'y a pas de maîtrise. Donc, le mouvement, on va le faire ensemble. Si jamais vous l'avez regardé la première fois, vous pouvez regarder la première fois. Mettez le poids du corps sur le pied droit. Décoller le pied gauche, poser la main droite au sol et on vient dans la demi-lune avec la jambe gauche vers le ciel. Puis redéposer le pied gauche au sol, on redescend Malasana. Pareil de l'autre côté, la main devant le pied gauche, on ouvre demi-lune, Ardha Chandrasana, on redépose, on redescend. Et encore plusieurs fois comme ça, on alterne un côté puis l'autre, toujours avec maîtrise dans le mouvement. Ça nous permet de travailler une belle ouverture de hanche, notre équilibre, notre, comment on dit déjà, pas synchronicité, mais entre les deux côtés, vous avez compris. Alors, encore une ou deux fois de chaque côté. Ouh, j'ai un côté plus difficile aujourd'hui. Allez, une dernière fois,
côté droit une dernière fois côté gauche, et après vous resterez en Malasana. Ok, depuis ce Malasana, basculez les genoux vers l'avant, si possible sans que les genoux touchent le sol pour 3, ou 2, 1, et ils touchent le sol s'ils n'y étaient pas encore. Déposez le dessus des pieds sur le tapis, déposez les mains à l'arrière, les doigts pointent vers l'avant, inspirez, poussez les hanches vers le ciel. On est là pour 4, 3, 2, 1... Et on redépose au sol. Ok, on peut revenir vers l'avant. Reculez jambes droites, reculez jambes gauches. Expirez, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, inspirez. Levez le pied droit vers le ciel, pointez le pied. Expirez, genou droit, coude droit. Venez sur le bout des doigts de la main gauche. Soit on reste loin, soit même on peut décoller la main gauche. Puis on redépose la main gauche. Chien à trois pattes, pied droit vers le ciel. Ramenez maintenant genou droit vers le coude gauche. Puis de nouveau vers le ciel. Puis d'ici, on va simplement pouvoir ramener le pied droit comme si vous vouliez venir toucher le mur gauche, déposer le pied au sol et venir dans la posture sauvage. Wild thing. Donc on vient avec la main gauche repousser le sol, on pousse les hanches vers le ciel. La main droite regarde vers le sol, le regard vers le sol à l'intérieur de la main gauche. Puis d'ici, expirez, venez en planche, basculez vers l'avant, chaturanga. Inspirez, urdhva mukha svanasana, chien tête en haut. Expirez, adho mukha svanasana, chien tête en bas. Je rappelle qu'à tout moment, on peut prendre une pause si on en ressent le besoin. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Genou gauche, coude gauche. On peut même venir sur le bout des doigts de la main droite. Peut-être lever la main droite. On repose au sol. Chien à trois pattes. Et expirez, genou gauche, coude droit. De nouveau vers le ciel. Et maintenant, on vient ouvrir la hanche. On vient déposer le pied gauche sur le côté droit. Pose sur sauvage. Puis expirez, planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, déposez les genoux sur le tapis, déposez les fessiers sur les talons. Prenez un instant pour reprendre votre souffle. Je vais vous montrer la suite de ce qu'on va faire. En fait, on va repartir sur le même enchaînement. Simplement, je vais proposer de rentrer dans un équilibre qui est optionnel. Là, le but du cours, c'est pas d'apprendre en soi cet équilibre. Ça, c'est plus des choses qu'on voit dans mes programmes. Mais ça va être juste de vous ramener une proposition. Donc là, ce qu'on faisait, c'est que, en gros, on ramenait... vous pouvez détendre les poignets hein, pendant ce temps-là. On ramenait le genou ici, et on venait sur une main. Et ensuite, on ramenait le genou vers le coude opposé. Bah, soit on peut rester vers le coude opposé, soit ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on est sur le coude opposé, basculer vers l'avant, décoller le pied arrière, arriver dans un équilibre, et ensuite revenir vers l'arrière. Ok ? Donc, si vous voulez tester cet équilibre, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de rentrer en détail dans l'équilibre, mais juste chercher un petit peu à basculer le poids du corps. Ok ? Et on va se rajouter un ou deux autres petits trucs dans le flow. Donc, on repart du chien tête en bas. Inspirez, pied droit vers le ciel. Genou droit, coude droit. On peut venir sur le bout des doigts de la main gauche ou décoller la main gauche. On repose au sol. Chien à trois pattes. Genou droit, coude gauche. Soit on reste vers le coude, soit on peut venir prendre l'équilibre. Hop ! De nouveau, chien à trois pattes. On vient ouvrir la hanche. On dépose le pied au sol. Et cette fois-ci, après avoir poussé vers la posture sauvage, on va pouvoir venir déposer les fessiers au sol. On a donc les fessiers au sol, la main gauche qui est à l'avant, la jambe gauche tendue et le pied droit à l'intérieur. On va ramener la main droite et on va pousser dans la main gauche, inspirer. Poussez vers le ciel, on revient en posture sauvage. On expire, on redescend. Encore deux fois. Inspirez, poussez vers le ciel. Expire, redescend. Last time, dernière fois. Inspire vers le ciel. Expire, redescend. Yes. D'ici, la main gauche attrape
l'extérieur du genou droit. La main droite derrière, on inspire, on se redresse. En expirant, on twist vers l'épaule droite. Si vraiment vous avez une bonne mobilité d'épaule, au lieu de rester dans ce simple twist, on peut ramener la main gauche à l'intérieur et la main droite vient attraper dans un bind. Puis on revient au centre. D'ici, le pied droit vient croiser la cuisse gauche. On flexe le pied droit et on va pouvoir venir vers l'avant. La main droite va chercher à attraper l'extérieur du pied gauche. Vous allez sentir l'étirement sur tout le bord externe de la jambe gauche. Extrêmement intéressant cet étirement. Il n'est pas vraiment agréable, mais il fait quand même beaucoup de bien. Et là pour 3, 2, 1, on se redresse. D'ici, on allonge la jambe droite à côté de la jambe gauche. Placez les mains de chaque côté de la jambe droite. Plus on va aller vers l'avant, plus ça va être difficile. Enfin, de chaque côté des jambes, pardon. Plus on va vers l'avant, plus c'est difficile. Et on va lever la jambe droite et redescendre. Encore, on lève. On redescend une dernière. On lève. On redescend. Faites glisser la jambe droite pour ramener le pied droit où il était. La main gauche vient se tourner vers l'avant du tapis. On inspire, on pousse les hanches vers le ciel. De nouveau la posture sauvage. Puis on expire, on ramène le pied droit lentement à l'intérieur de la main gauche. Genou gauche au sol. Inspirez, Anjayanasana, la posture de la fente. Expirez, torsion, main gauche devant, main droite derrière. Puis inspirez au centre, expirez, main de chaque côté du pied droit à l'arrière, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, Urdhva Mukha Svanasana. On repousse le sol. S'il y a besoin, on prend une petite pause, sinon on peut enchaîner. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche, coude gauche. On peut venir sur un doigt, tendre la main. De nouveau, chien à trois pattes. Puis expirez, genou gauche, coude droit. On peut prendre l'équilibre. Encore faut-il avoir la place. Pied droit à l'arrière, chien à trois pattes. On vient ouvrir la hanche. On dépose le pied gauche. Posture sauvage, wild thing. Et on expire, on redescend. Ok, de nouveau on se prépare, on va faire trois fois la montée et la descente. On inspire, boum, vers le ciel. On expire, on descend. On inspire, boum, vers le ciel. On expire, on descend. Une dernière, on inspire, vers le ciel. Et on expire, on descend. Ok, d'ici, on va pouvoir ramener la main droite à l'extérieur du genou gauche. La main gauche derrière, à l'inspire, on se redresse. À l'expire, on twist. De nouveau, on peut ramener un bind. On verra mieux de ce côté-là. Donc pour ramener le bind, la main droite, boum, là, elle passe en dessous. La main gauche vient attraper les doigts de la main droite. On garde le pied droit flex. Là, l'épaule droite, c'est excellent comme étirement. Mais il faut avoir une bonne mobilité. Et tout doucement, on revient au centre. Le pied droit, pied gauche pardon, vient à l'extérieur du genou droit. La main gauche vient attraper l'extérieur du pied droit. Et on bascule vers l'avant. Vous devez sentir l'étirement vraiment sur tout le côté ici de la jambe. Vraiment très très bon. Si jamais vous faites de la course à pied ou autre, ça va. Vous allez voir que ça tire beaucoup. Parce que c'est une zone qui est avec beaucoup de tension, notamment au niveau du TFL, le tenseur du fascia lata, toute cette bande. D'accord là pour 3. 2, 1, lentement on se redresse, ramenez le pied gauche à côté de la jambe droite, pareil, plus on va aller vers l'avant, plus ça va travailler, et inspirez, on décolle le pied gauche, on expire, on redescend, on inspire, on décolle, on expire, on descend, on inspire, on décolle, on expire, on descend, on ramène la main droite vers l'avant, on fait glisser le pied gauche, on se redresse, posture sauvage. La transition va un petit peu changer. On va venir au centre, déposer les deux avant-bras et déposer tout l'avant du corps sur le tapis. Ok. On va prendre quelques instants ici. Si c'est à l'aise pour vous, vous pouvez venir tendre les bras sans crisper les épaules. Si c'est trop difficile, ben on reste avec les coudes au sol et on peut écarter les pieds. Là, on est sur un cours qui est de niveau intermédiaire à peu près.
Donc c'est pas un cours avancé, ok, mais on n'est pas non plus sur un cours débutant où on voit les bases. C'est un petit peu ce que je disais au début du cours. Et c'est marrant parce qu'en France, enfin en France, en francophonie, il y a beaucoup, j'ai pu voir dans tous les pays, que ce soit France, Belgique, Luxembourg, Suisse, il y a une notion qui est un petit peu bizarre, c'est que un cours qui est considéré comme avancé en francophonie, souvent ça correspond à un cours relativement débutant dans le monde anglophone. Très souvent, je vois, c'est beaucoup de marketing, hein, mais cours avancé, etc. Mais en fait, on est sur un cours débutant plus, mais rarement sur quelque chose de très avancé. Il y a tellement de choses difficiles qui peuvent être faites. Tout doucement, on revient au sol. On va pouvoir déposer une joue, peu importe laquelle, sur le tapis. On va pouvoir prendre trois grandes inspires par le nez, trois grandes expires par la bouche pour tout relâcher. Ah. Ok, d'ici, on va pouvoir venir sur les avant-bras. Je vais vous montrer le mouvement qu'on va venir faire. En fait, on va crocheter les orteils. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à l'inspire, aspirer le nombril, on arrondit le haut du dos, on repousse le sol. Et à l'expire lentement, on descend, on ouvre la poitrine. Ok? On va faire ça 10 fois. Donc c'est parti, on ouvre la poitrine, ici, et boum, on repousse, on arrondit. De nouveau, on redescend en haut. On pousse, on arrondit. On redescend en haut. On pousse, on arrondit. Une dernière. En haut. On pousse, on arrondit. Et on reste en haut. Depuis cette position en haut, on vient décoller l'avant-bras gauche, puis l'avant-bras droit. On recule le plus possible les pieds vers l'arrière. On avance le plus possible sur le tapis, les mains vers l'avant. On ne vient pas trop lever les fesses vers le ciel. On ne cherche pas à aller dans un chien tête en bas, mais à être dans une sorte de planche allongée. Et on reste là. Si on a besoin, on peut venir dans une planche normale ou poser un genou. On est encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on va pouvoir déposer le genou droit au milieu du tapis, venir poser la jambe gauche tendue à l'extérieur du tapis sur la gauche. Et lentement pouvoir venir se redresser. Ok, d'ici, en regardant de face, je vous montre une fois. Ce qu'on va faire, c'est essayer de pas trop basculer sur le côté droit, même si naturellement on va quand même basculer. Et on va juste décoller la jambe gauche, redescendre la jambe gauche, et ensuite basculer sur le côté gauche avec la main droite, et revenir au centre. On va faire ça 5 fois ensemble. Ok? Donc c'est parti, on inspire, on décolle la jambe gauche avec la force de la hanche, on expire, on redépose. On allonge vers la gauche, ça étire tout le côté droit. On inspire, on se redresse, on relève la jambe, on redescend, on bascule. Deux. Encore. On se redresse. On allonge. Trois. On se redresse. On allonge. Quatre. On se redresse. On allonge. Cinq. On revient au centre. Puis d'ici, on tourne complètement la jambe gauche et on tourne le buste vers la jambe gauche, le pied gauche se flexe. On va ramener une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur, et on va basculer vers l'avant et le bas. Puis on inspire, on se redresse. Encore 4 fois. Vers l'avant et le bas. On se redresse. Encore. Vers l'avant et le bas. On se redresse. Une dernière. Vers l'avant et le bas. Et on se redresse. D'ici, on va ouvrir le pied gauche, rotation externe de la hanche. On va faire la même chose, les sensations peuvent être différentes. On vient vers l'avant et le bas, on se redresse. Vers l'avant et le bas, on se redresse. Vers l'avant et le bas, on se redresse. Une dernière, vers l'avant et le bas, on se redresse. On vient maintenant, rotation interne, on ferme la hanche. On fait la même chose, vers l'avant et le bas, ouh, on se redresse. Le plus vers l'avant, hein. Et on se redresse. Vers l'avant, on se redresse. Dernière, vers l'avant, on se redresse. Génial. On repivote vers le centre du tapis. On dépose les mains au sol.
Et d'ici, on prend un bon appui au niveau de la main droite. On bascule sur le côté droit. On vient lever la jambe gauche. On attrape le devant du pied gauche avec la main gauche. Et on pousse avec le pied contre la main pour créer une ouverture au niveau du cœur et un étirement au niveau de la cuisse gauche. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Lentement, on va raccompagner le genou gauche pour le déposer à côté du genou droit. Et on relâche le côté gauche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on vient allonger la jambe droite sur la droite. On se redresse. Et du coup, de nouveau, le même exercice. Donc, on essaie de ne pas trop basculer sur la gauche pour décoller la jambe droite. On redresse. On bascule sur le côté droit pour étirer le flanc gauche. On revient au centre. On redresse. On dépose. Boum ! On bascule. On revient. On décolle. On dépose. On allonge. Last time. On revient au centre. Bouh ! On décolle ma hanche et l'on peut plus. Et on bascule. Génial. On revient au centre. On bascule complètement sur le côté droit. Je ne suis pas du tout face à vous, mais vous avez compris maintenant le mouvement. Le pied droit est flex. Ok. On bascule vers l'avant et le bas. Et on se redresse. Encore 3 fois. Vers l'avant et le bas. On se redresse. Vers l'avant et le bas. On se redresse. Dernière. Vers l'avant et le bas. On se redresse. Rotation externe de la hanche. On vient ouvrir le pied sur le côté. On bascule vers l'avant et le bas. On se redresse. Encore 2. Encore 3. Et la dernière. Encore 4. Génial. On vient maintenant faire une sorte de fermeture. Et on vient faire la même chose. Vers l'avant et le bas. Et on se redresse. 1. 2. 3. 4. Génial. On vient maintenant déposer les deux mains au sol. Ok. Puis on prend un bon appui sur la main gauche. On bascule pour décoller la jambe droite. On vient... Oh, j'ai du mal sur ce côté. Prendre un appui du pied droit si c'est possible pour créer une bonne ouverture. On repousse le pied contre la main. Décidément, ça ne veut pas. Hop. Voilà. Et lentement, on raccompagne pour redéposer. Déposer de nouveau les fessiers sur les talons, les mains derrière comme tout à l'heure, et on vient décoller. Vous voyez, c'est pour ça que ça s'appelle une pratique aujourd'hui sur quelque chose qui est assez simple pour moi. Je ne sais pas pourquoi sur un côté ça passe pas trop. Et c'est pour ça que c'est pas une perfection, mais simplement une pratique du yoga. On redépose. Ok. Ramenez les mains devant vous. Chien, tête en bas. Normalement, le corps devrait quand même être pas trop mal échauffé. On va pouvoir se faire ensemble des petites salutations au soleil. Regardez entre les mains, fléchissez les genoux. Marcher, sauter ou handstand à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, main vers le ciel, Urdhvastasana. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur, Tadasana. Inspirez, levez vers le ciel, expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, marchez, sautez. Weinstein à l'arrière du tapis. Chatur, Urdhva et Adho Mukha. Directement, on enchaîne. On fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On marche, on saute, Weinstein à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez, relâchez la tête. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, relâchez au niveau du cœur. Inspirez, levez vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, allongez le dos, expirez, vinyasa de votre choix. On se retrouve en chien, tête en bas. Ok. D'ici, regardez entre les mains. Ce qu'on va venir faire, déposer les genoux un instant, ramener les fessiers sur les talons. On va essayer de sauter le plus lentement possible à l'avant du tapis. Ok. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'arriver à l'avant du tapis en 8 temps. Donc je vais compter
de 1 à 8, okay? Et le but, c'est d'arriver le plus lentement possible à l'avant du tapis. Donc, comment ça va se passer? Soit vous allez pouvoir avoir vraiment de contrôle dans votre transition et arriver lentement à l'avant du tapis. Soit si vous n'avez pas encore beaucoup de contrôle, bah refaites plusieurs sauts. Mais au total, on va mettre 8 ans pour arriver à l'avant du tapis. Okay? Pour ça, il suffit vraiment de repousser le sol. On regarde entre les mains et on est parti. 8, 7, 6, 5, 4, faites ce que vous voulez. 3, 2, 1. Et on se retrouve avec les pieds au sol. Et écartez les pieds, largeur de hanche. Attrapez les coudes opposés. Relâchez complètement la tête. Relâchez-vous. Puis d'ici, inspirez main sur les tibias, allongez le dos, regardez devant vous. Expirez lentement, descendez en Malasana, le squat yogique, déposez les fessiers sur les talons. Non, les fessiers, pardon, au sol. On va reculer un petit peu les fessiers. On va venir faire un petit exercice. Prenez un instant pour détendre les poignets. Ok, donc l'exercice qu'on va venir faire, ça va nous permettre à la fois de travailler au niveau des épaules, à la fois un petit peu de travailler au niveau des hanches, travailler un petit peu notre renforcement et notre coordination. C'était le mot d'ailleurs que je cherchais tout à l'heure. Donc cet exercice, comment on va faire? L'idée, ça va être qu'il va y avoir un mouvement, on va être ici, okay, presque comme si on allait décoller en L-sit. L'autre mouvement, on va lever les hanches vers le ciel. Okay, donc ça va être vraiment une sorte de vague ici. Ce qui va être important, c'est que quand on arrive dans notre presque L-sit, de vraiment repousser fort le sol, rentrer les coudes. Si on repousse pas fort le sol, on va pas vraiment se renforcer. Donc placez les mains au sol, les talons au sol, basculez les fesses vers l'avant et vers le ciel, gardez le regard devant vous, puis ramenez les fesses vers l'arrière sans toucher le sol. On lève les fesses vers le ciel, on repousse le sol. Puis on bascule vers l'avant, toujours sans toucher le sol. Hanche vers le ciel. Puis vers l'arrière, sans toucher le sol. Une dernière fois, vers l'avant. On décolle. Et vers l'arrière. On est là pour 3, 2, 1. Et on redépose. Nice. On va pouvoir enchaîner et passer à la suite. On va passer avec un petit peu de souplesse dynamique. Donc pour ça, ce qu'on va venir faire, je vous montre, vous connaissez le Pachimo, on vient basculer vers l'avant. Okay. Nous, on ne va pas chercher à faire ça. Ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir les mains devant, un petit peu comme si j'étais devant et que j'allais venir vous tirer. Vous allez rentrer le menton complètement. On va travailler toute la ligne arrière superficielle. Les mains, oups, pardon, j'ai l'épaule qui fatigue. Les mains vers l'avant. Et l'idée, en fait, ça va être d'avoir l'impression que je vais venir vous tirer. Et le but, ça ne va pas être d'attraper les pieds, mais d'aller au-delà. OK, en venant faire des rebonds. Donc, tendez les mains, on rentre le menton et on est parti. Vers l'avant. Encore. 10, 9, 8, 7. Pas vers le bas, vers l'avant. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on se redresse. Ok, d'ici, connectez les pieds ensemble, Baddha Konasana, le papillon, et on va basculer vers l'avant et vers le haut. C'est parti. Chacun a son rythme, pas forcément trop vite. Le but, c'est juste de ramener des petits rebonds, de sentir que ça travaille bien au niveau des adducteurs. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 2, 1. Et à la prochaine, on relâche vers là. Redressez-vous. Ramenez les genoux ensemble. Ok, on va faire un exercice assez sympa. Il demande une petite mobilité quand même au niveau des chevilles.
Donc, à nouveau, si vous n'êtes pas mobile au niveau des chevilles, vous pouvez vous aider de vos mains. Donc, le but de cet exercice, en fait, ça va être d'utiliser un élan pour arriver en posture de la chaise. Okay? Une petite posture de la chaise. De redescendre, de déposer les fessiers, de venir dans un bateau, de redéposer et de redécoller. On peut s'aider des mains si on galère. On va faire juste 5 répétitions. Okay? Donc, on va commencer soit avec genoux fléchis, soit plus tendu, c'est vous qui le sentez. On dépose les pieds, on utilise le momentum, le petit mouvement pour se redresser. Et on redépose, on peut utiliser les mains. Hop. Deux. Trois. Quatre. La dernière. Cinq. Et on vient se rasseoir. Oh, ok, super. On va pouvoir enchaîner, déposer les fessiers sur le tapis, puis déposer le dos sur le tapis. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va faire deux, non, on va même faire trois rounds pour les backbends, l'ouverture au niveau du dos. Donc il va y avoir deux options possibles. On va tous commencer avec bridge pose, le pont en français. Et ensuite, soit vous pourrez aller, soit rester dans le pont. Soit venir dans Urdhva Dharanasana, c'est vraiment la posture de la roue, ok? Si vous la maîtrisez, si elle ne fait pas partie de votre pratique, bah restez avec Bridge Pose, ok? Donc le repère, il faut que les doigts puissent toucher au niveau des talons. Levez les hanches et les fesses vers le ciel. Croisez les doigts, poussez le sol avec les poings. Levez les hanches vers le ciel. Et on est là pour 5. 4, 3, 2, 1. Lentement, on redescend. Vous pouvez laisser un léger creux dans le dos pour rester dans une forme de backbend si vous voulez. Soit revenez de nouveau dans Bridge Pose, soit déposez les mains de chaque côté, poussez le sol et on décolle dans Urdhva Dhanurasana. La posture de la roue complète. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1, redéposez. Moi, je reste en haut. Et c'est parti. Revenez pour un dernier tour. Allez, on pousse. On est là pour 5, 4, pratiquez toujours en sécurité. 3, 2, 1. Et lentement, on va pouvoir complètement redescendre. Supta Baddha Konasana, les deux pieds, paumes de pieds connectées ensemble, laissez tomber les genoux des deux côtés pour créer un peu d'ouverture, remettre la colonne en place. Puis connectez les deux genoux ensemble, roulez vers l'avant pour venir vous rasseoir. Déposez les fessiers sur les talons. Pour terminer, je vous propose, avant notre relaxation, de venir prendre Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Donc, si jamais vous ne la maîtrisez pas encore, je vais la décrypter étape par étape en rentrant dans la posture. Donc, si vous la maîtrisez déjà, rentrez dans la posture. Si vous ne la maîtrisez pas, écoutez ce que je vais dire pas à pas. Moi, j'ai été terrifié par cette posture au début, mais je l'ai apprise sans mur. Il n'y a pas besoin du mur pour l'apprendre, même si on a peur. Pourquoi? Parce que si vous suivez ce que je vous dis, vous n'aurez jamais besoin du mur. Par contre, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis et que vous tombez, c'est de votre faute. Okay? Donc, les étapes. Regardez en entier. Si vous ne maîtrisez pas, on attrape les coudes opposés. On amène les mains vers l'avant. Croise les doigts. Paume de main vers le ciel. On dépose le sommet du crâne. Dans les mains, les coudes sont bien agrippés au sol. On tend les jambes. Une fois qu'on est là, on marche, marche, marche. Dès qu'on peut plus marcher, on ramène un genou à la poitrine. Une fois qu'on est à l'aise ici, on cherche à décoller le deuxième genou. Et il faut qu'on puisse rester au moins 15-20 secondes à l'aise ici. Seulement une fois qu'on est à l'aise, on décolle avec contrôle les jambes. Mais vous voyez qu'à aucun moment il y a du danger parce que les jambes, je ne les ai jamais lancées. Je suis montré uniquement en contrôle. Pour redescendre, c'est la même chose. Si vous voulez prendre un autre équilibre, faire un corbeau, faire ce que vous voulez, faites-le. Prendre une posture en étirement, n'importe quoi.
Dans tous les cas, on est encore ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, je compte lentement, je sais, 3, 2, 1, et avec contrôle, on va pouvoir redescendre, venir en child pose, balasana, la posture de l'enfant. Puis lentement dérouler le dos, basculer sur la fesse gauche ou la fesse droite. Venez vous allonger sur le tapis. Fermez les yeux. Vous allez pouvoir prendre, si vous le souhaitez, une couverture, peut-être éteindre des lumières. Faites ce que vous voulez. Relâchez-vous complètement dans cette posture du Shavasana. Vous pouvez être fier de vous pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez réussi à tout suivre. Peut-être qu'il y a plein de choses qui étaient difficiles pour vous. Et dans ce cas-là, bravo d'être arrivé jusque-là pour être fier de vous. Pour moi, progresser au yoga, c'est réellement comprendre qu'on s'en fiche complètement au final de réussir une posture. Peu importe ce que fait le voisin, peu importe ce que fait la voisine. Plus là, on est en ligne, donc vous avez cet avantage de ne pas vous comparer. Par peut-être vous comparer avec ce que vous voyez à l'écran. Ça sera un petit peu débile de se comparer avec moi. Et l'important, c'est de comprendre les bienfaits que chaque posture vous amène. On s'en fiche de réussir un équilibre, on s'en fiche de maîtriser toutes les postures. Simplement, peut-être que sur votre équilibre, sur la tête à la fin, peut-être que vous ne décollez pas du tout en équilibre, mais peut-être qu'aujourd'hui, juste, vous avez décollé un orteil du sol. Et que ça, déjà, c'est beaucoup pour vous. Ça vous a challenger votre confiance en vous, et rien que pour ça, vous pouvez être fier de vous. À chaque expiration, sentez le corps qui se relâche un peu plus. Le bas du corps détendu, relâchez. Le haut du corps détendu, relâchez. Laissez-vous guider par ce mantra que vous pouvez, si vous souhaitez, mentalement répéter avec moi, juste une phrase. Om Namah Shivaya. 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 Laissez les vibrations agir dans le corps.
Puis tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans les pieds et les mains. Avant de ramener les genoux à la poitrine, laissez tomber les genoux et la tête sur un côté. Avant de presser dans le sol, venir vous rasseoir sur le tapis, prendre une posture confortable pour vous. Et tout doucement, vous pourrez réouvrir les yeux. Bravo à vous, namasté.